Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, c'est l'épisode 128 Full Metal Chimie et on va graver avec de l'électricité. C'est parti, bordel de merde! Oui, on va utiliser le pouvoir destructeur de l'électricité pour graver du métal. Pour ça, vous allez avoir besoin de un truc à graver. En l'occurrence, on va utiliser mon couteau de cuisine. Une source de courant, je vais utiliser une alimentation de PC. Le câble. On a besoin d'une pince croco, on a besoin d'eau, de sel, et on aura besoin de scotch, ou là en l'occurrence, du vinyle qui a été découpé avec ma découpeuse vinyle. Vous allez voir, c'est super simple. D'abord, on va saturer notre verre d'eau avec du sel. Saturer une solution, ça veut dire en mettre tellement qu'elle se dissout plus dans l'eau. Donc on va prendre notre verre d'eau, mettre plein de sel, remuer, et dès que le sel reste au fond, on a une solution saturée. Cette solution va nous permettre de faire passer le courant dans le métal et donc de le graver. Ensuite, il nous faut une source de courant. Nous, on va utiliser ici une vieille alimentation de PC. Pourquoi une vieille alimentation de PC? Parce qu'elle nous donne du 12 volts et jusqu'à 15 ampères d'intensité. Si vous suivez un peu les épisodes de la Grotte du Barbu, vous m'avez vu faire ça plusieurs fois. Le principe est relativement simple. Vous connectez la masse au fil vert qui est le power on et vous pouvez utiliser votre PC comme alimentation stabilisée. On va passer à la phase de préparation. J'ai prédécoupé avec ma découpeuse vinyle des logos qui sont ici que je vais utiliser pour masquer en fait mon métal. Alors pour la petite histoire, j'ai fait une première version qui fait un peu beat en fait. Donc j'ai modifié mon logo et je l'ai redécoupé. Vous pouvez utiliser du scotch au lieu d'utiliser le vinyle, du moment que votre scotch est hydrophobe. Qu'est-ce que ça veut dire hydrophobe? Ça veut dire qu'il n'aime pas l'eau. Pas du scotch de masquage par exemple, mais du scotch standard, ça marche aussi très bien. Mais ensuite, il va falloir découper avec votre petit scalpel votre logo. Je pose donc mon logo et je l'applique délicatement sur ma surface et on va passer à la phase délicate, celle de la gravure. Notre pochoir est prêt, on a du courant, notre solution est saturée, on va pouvoir passer à la phase de gravure. On va mettre notre surface à graver plus ou moins au niveau et on va poser délicatement un tout petit peu d'eau saturée en sel. On raccorde un élément de notre pièce à graver à la masse et on va utiliser l'autre câble pour délicatement faire passer du courant entre l'alimentation, l'eau saturée et notre métal à graver. Suivant le courant de votre alimentation, son intensité, l'épaisseur du métal, le temps de gravage est différent, à vous de tester. Il ne vous reste plus qu'à enlever ce qui reste de votre solution salée, votre pochoir, nettoyer un peu votre surface, et voilà, votre magnifique logo est gravé. C'est pas beau ça? Bon alors, le résultat? Alors, le résultat est mitigé, hein. Première constatation, en fait, quand les zones à graver sont très très larges, il faut passer énormément de temps dessus. Donc mieux vaut faire des petits dessins avec des petits tracés que des gros dessins avec des grosses surfaces à graver. La deuxième chose, quand vous mettez votre câble, il faut bien le mettre sur l'eau et surtout pas en contact direct avec le métal, comme je viens de faire. Et à mon avis, j'ai ruiné mon alim de PC, mais c'est pas grave, au moins maintenant, j'ai les bases de comment graver, et la prochaine fois, je ferai mieux. Et voilà comment graver sur du métal, et pour pas un rond, et graver votre logo mortel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous contacter par email, sur Twitter, laissez des petits commentaires, et surtout, vous abonner à la chaîne Tontube. Bien sûr, si vous voulez nous aider à financer ces épisodes de La Grotte du Barbu, n'hésitez pas à rejoindre le clan des gentils barbutipeurs et nous filer quelques euros. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Et à bientôt. Synchro. Tu me dis pensez-moi.
Et là, tu peux appuyer sur le bouton. Ça tourne ? Ouais. Attends, c'est même pas focus là.